Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour à nos efforts de retourner aux Écritures. Et ayant terminé l'épître aux Philippiens, une merveilleuse épître, si riche et si extraordinaire, et voulant rester dans la parole de Dieu, je me suis questionné sur quelle serait devrait être notre prochaine série. Et j'ai décidé d'aller dans l'Ancien Testament. Je ne veux pas attaquer un des livres historiques ou prophétiques, mais en même temps, en partie oui. Je vais regarder une simple série qui se trouve à l'intérieur d'un des livres prophétiques. Une série que les théologiens ont surnommée les Cantiques du Serviteur. Vous vous dites, j'ai entendu parler de ça, le Cantique du Serviteur. C'est parce que ce terme est surtout utilisé dans le monde anglophone. Mais j'aimerais l'amener dans le monde francophone. La question, c'est Cantique du Serviteur. Mais des références à quatre passages dans le livre d'Ésaïe, spécialement centré sur un personnage appelé le serviteur de l'Éternel. Un serviteur qui, comme on le découvre, est messianique. Bien sûr, je parle de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est la grande majorité des paroles prophétiques dans le Nouveau Testament. Lorsque ça dit « Voici une prophétie accomplie par Jésus », eh bien, la majorité se trouve dans ces quatre cantiques du serviteur. Donc, ils sont grandement importants, même si on ne les connaît pas aussi bien. En réalité, on les connaît mieux qu'on s'imagine. Je vous donne un exemple. Le plus connu de tous les quatre, c'est ce fameux passage dans Ésaïe 53. Je pense que vous connaissez bien celui-là. Une chose que vous ne connaissez pas, c'est que techniquement, ce cantique ne commence pas au verset 1, mais au chapitre 52, les versets 13, mais ça, on verra en temps et lieu. Comme j'ai dit, ces quatre cantiques présentent un personnage, le serviteur de l'Éternel. Et je dirais qu'une des choses fascinantes de ces quatre textes, c'est que même jusque de nos jours, nos chers amis juifs le comprennent mal. Et la raison est simple, c'est parce que ces passages présentent ce serviteur comme étant Israël. Et donc, ils disent, non, mais ces quatre passages font référence à Israël, pas à votre Messie Jésus. Et il y a un sens qui est vrai, mais le problème, c'est que Jésus, c'est le vrai Israël. C'est ça le but de ces passages, de montrer qu'il est ce vrai Israël, qu'il va ramener la vérité de Dieu et prendre soin de ceux qui souffrent. Il est le Israël fidèle. Il représente la nation où est-ce qu'eux ont failli. Il représente Adam, mais ça, c'est une autre étude en soi. Donc, ces quatre cantiques, comme je dis, sont vraiment importants, mais bien souvent mal compris. Surtout que dans ces quatre cantiques, ce serviteur est des fois présenté comme glorifié, honoré, et d'autres moments rejeté et maltraité. C'est pour ça qu'il est, encore une fois, mal compris par nos amis juifs. En plus, ce serviteur, des fois, est concentré sur Israël, mais des fois, il est concentré sur les nations. Voyons. Et non pas de façon pour conquérir, mais pour amener la louange à Dieu, amener la service auprès de Dieu. Encore, c'est là qu'on comprend, c'est messianique comme passage prophétique. Mais bon. Permettez-moi de vraiment vous présenter quels sont ces quatre cantiques, quels sont ces quatre passages qui font référence au serviteur de l'Éternel. Comme s'ils sont tous dans Ésaïe. Premièrement, nous avons Ésaïe 42, les versets 1 à 9. Ensuite, nous avons Ésaïe 49, 1 à 13. Ensuite, Ésaïe 50, 4 à 11. Et ultimement, bien sûr, comme j'ai dit, Ésaïe 52 à 53, verset 12. Voici ces quatre cantiques. La raison pour qu'on les appelle des cantiques, en passant, c'est parce que c'est sous une forme poétique, un peu comme la musique. Donc, prenez le temps de lire ces passages pour vous-même, au moins le premier, pour méditer sur qu'est-ce qu'ils discutent et de voir pour vous-même comment c'est rattaché à la prophétie de Jésus. Et bien sûr, ce qu'on va faire, en regardant ces passages, on va faire le lien avec comment ils sont accomplis dans le Nouveau Testament et comment ils sont expliqués aussi
sous inspiration. Préparez-vous à voir justement notre Messie dépeint devant nos yeux. Quel plaisir, quelle joie. Préparez-vous à chanter les louanges de Jésus ensemble dans cette série d'études des cantiques du serviteur. Ceci n'était qu'une simple introduction, professeur. J'espère que ça vous met l'eau à la bouche pour l'étude en soi. Soyez bénis.